16. Oui, c'est pas évident, hein, non. Et donc là, OpenStreetMap, il n'y a rien du tout. Ou pas grand-chose. Bon. Donc, on a fait un peu comme ça le tour du sud du Vietnam, hein. On avait fait cette partie-là. On a fait la cinquième, c'était Ho Chi Minh Ville jusqu'à Icanto. Là, on fait l'île. On fera peut-être ça ou ça après, je sais pas encore. On va voir. Alors, ici 16, on va repasser sur. Sur Ria Front Middle. Alors, on passe sur Middle. Middle. Je sais pas comment il faut équilibrer. Je sais pas comment. Alors, il y a un manuel utilisateur. On va aller le regarder justement. Ça c'est le IAC, le SMS. Voilà, SMS. Documents, si, il y en a pas mal. Hein. Pilote note, autopilote STEC. Normal procédure, est-ce que c'est ça? Ah, pas trop. Non, ça c'est les. Les procédures, c'est pas vraiment ça. Pilote note, c'est plus ça. Bah ça, il faut le lire, hein, puisqu'il y a les versions. Donc c'est là que j'ai dit. Tout à l'heure qu'il y avait une version seaplane, une version amphibious. Non, version amphibious et version float. Qu'est-ce que c'est comme différence, hein? Je ne sais pas du tout. Alors, ça, on a à peu près vu. Ça, c'est tous les. Le gyroscope. Tout ça, on a vu. Qu'est-ce que je cherchais? Ah oui, quelques indications sur la manière d'utiliser les réservoirs. Mais ça n'a pas l'air d'être. C'est pas indiqué. Ce n'est pas indiqué. C'est bien quand même. C'est un freeware avec plein plein. C'était pas un freeware. C'était
côté de SMS, c'est Small Soulmad Simulation. SMS Soulmad Simulation. Non mais il précise à chaque fois dans les docs, c'est que pour de la simulation, que c'est pas pour piloter des vrais avions. Malheureusement, alors à combien on est de Vepki? Vepki, il est à 37 000 nautiques encore. Dès que c'est passé Vepki, et ben je pourrais déclencher mon approche. Est-ce que j'ai une mode approche ici? Approche. Qu'est-ce que ça déclenche? Non. C'est pas ça qu'il faut faire. J'ai stupide. Soyons pas stupides. C'est sur le FMS. C'est là-dessus qu'il faudra que je déclenche. Alors, MSG. CRS 1200, 1200 ou 200, j'en sais rien. On va voir. Bah ça fait un petit tour avec une vieille carlingue. C'est les meilleurs, les vieilles carlingues. C'est quand même bien fait avec le vieux cuir. Donc il y a plusieurs configurations, cargo, passager, cargo. Hein. C'est là-dedans. Là, ça, j'y touche pas trop parce que vous avez vu tout à l'heure, ça fonctionne à moitié. Donc là, c'est là on peut faire que passager et cargo ou que cargo. Environnement, ça c'est pour, je pense, la hauteur des vagues quand on utilise les amphibious. Je touche pas trop ça, hein, et ça c'est pilote auto. Bon, il n'y a pas. Là, il y a le volume. Hein. Dream Engine config. Pourquoi c'est Dream Engine? C'est pas grave. Alors, ouais, voilà, c'est bien carré. Hein. Je sais pas si je l'ai eu. Il est eu passé dans la moulinette Orto 4XP. La moulinette Orto 4XP. Alors, qu'est-ce qu'on voit au fond là-bas? Est-ce que c'est notre île? Mais je pense, hein. Je pense que c'est notre île qu'on voit là-bas. Il y en est à combien de Vepki? 31 000, ah, pas loin. Vore. On peut se mettre sur le vore. Notre nav 1, on va le mettre sur 115,60. Notre nav 1. Alors, elle est là, notre nav 1. Nav 1, c'est là, 115,60. C'est ce que j'ai dit. Non, alors, 100. Quand ça, c'est très moderne. Hein. 60.
115, moins 60 voice. Don't voice, je sais pas. Non, il n'y a pas de double. Alors, notre fuel ou fuel. Il était à 16, on va attendre qu'il soit à 12 et après on va passer sur le rire à 8. On verra. Hein. Comme il n'y a pas de consigne. Là, ça chauffe pas plus que ça. C'est toujours bien. La température n'est même pas très élevée. La température, je sais pas combien c'est. On a toujours notre île là-bas. Hein. Donc ce serait bien que j'essaie de retenir le nom. Kombao. Kondao. 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 Konson Kondao. Alors je réessaye, Maps, Google Maps, Kondao, Vietnam. Alors, qu'est-ce qui me fait? Oh là 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 là. Kondao, il s'en fout complètement. Il s'en fout complètement. D'accord. Il est en train de pédaler dans la choucroute. Je sais pas, il cherche dans toutes ses bases de données, je sais pas, où il y a eu des attaques. Ah bah voilà. Voilà, Kondao. Alors, Kondao, c'est ici. Alors, là, il y a des supermarchés. Ah, là, il y a quelque chose. Oh, Island Chef, le palace. Le palais du chef. Bon, c'est Ho Chi Minh, ça. Non, c'est pas Ho Chi Minh. Si, Ho Chi Minh. C'est au Chili, ça? Non, je sais pas. Bon, ouais, d'accord. Ok, ok, ok. On voit toujours notre île. On est à combien là maintenant? Bientôt arriver, hein. On va bientôt arriver. On va bientôt arriver. Alors, est-ce que au niveau fuel, ça fonctionne toujours correctement? Donc là, j'étais à 16. Ouais, on va arriver à 12 bientôt. Donc, on aura 12 partout. Oh non, là, j'ai 16 sur le front. Altimeter, altimeter, je change pas. Hein. De toute façon, on voit rien. Je suis désolé, mais un truc comme ça, on voit que dalle. Hein. 29.
C'était une horloge, ce petit, cette machine. K2 aviation. C'est joli, hein? Une petite photo. Ah oui, la checklist, c'est pas la checklist de cet avion, hein. C'est comme j'avais déjà deux DCH2 Beaver. J'avais celui de STMA, puis j'en ai encore un autre de je sais pas qui, de comment il s'appelle, Tranda, je crois. J'ai pas encore fait le Golden Dark de Tranda. Donc on verra, hein, ça. Fait du bruit hein, toujours hein, mais après je pense que si je descends encore on n'entend plus rien voilà mais bon faut quand même entendre un peu hein. Voilà, Tissé Airport j'ai fait sinon je vais regarder avec Avitab mais ça m'apprend pas grand chose altitude à 800 pieds. Ça fait vachement haut. Oh, le touch à 50 pieds. Voilà, la runway à 16 pieds, 16, 800 pieds, la décision altitude. Mais, eh ben. Bon, ça marche très bien toujours. Hein. Mandatory for missed approach. Ça, c'est si on se trompe pas. Je vois pas encore mon avion. Ce que j'aime bien avec ça, c'est quand on voit l'avion qui passe au-dessus de la carte. C'est rigolo. Je fais l'andouille et puis je vais louper des trucs. Je suis où là? À 15 000 nautiques. Alors, quand on va le déclencher, pas encore. On va attendre d'y être hein, parce que j'ai pas envie qu'ils partent. Non, c'est 3 000 le premier. 3 000. Ça, c'est 3 000 celui-là. Et puis après 2000, 1970. On va attendre d'être à 8. À 8 sur le réservoir du middle. Ah non, c'est 12. Je suis bien en middle là. À 16, c'est bizarre ces compteurs 12 donc tant qu'il n'est pas à 12 on change pas alors à combien je suis 12 000 nautiques encore ah ça va pas vite hein, ces avions ça hein, c'est sûr hein. Ouais descente à 100 69, qu'est-ce qu'il me dit lui? Moi, ouais, je suis au bord de la limite. Qu'est-ce qu'il m'a dit là? Descente checklist, max 100. Ouais, on va voir. Hein. Combien je suis? 11 000 nautiques. 11 000 nautiques, qu'en pensent mes passagers? Alors, lui,
plutôt tranquille. Il est plutôt tranquille, rien à voir. Lui, pareil, rien à voir. Rien à voir du tout. Encore. Ce message. Ouais, je comprends pas ça. Je comprends pas parce qu'en principe 200 je l'avais réglé, mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, c'est pas ça qu'il fallait faire, évidemment. C'est ça. Ah, j'ai pas regardé si on pouvait descendre avec l'autopilote. Chez stand-by nav, non, j'ai pas l'impression qu'on y a marqué trim. Là, si je trim, je pense qu'il coupe le pilote auto. Pour descendre, pour descendre, si je coupe l'altitude. Comme il est stabilisé, il bouge pas beaucoup. Hein. Bon, il faudra faire à la main. À la main. On en est où? Ah, c'est une nautique, ça va commencer. 3000. Bien, bien, bien. Bah, ça fera une étape. Oui, on est à 5000 là. Ça fera une étape pour découverte du Vietnam. Donc là, on est en pleine mer, mais c'est normal, on reste sur une île. Hein. L'île de Candao, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Le Chef Palace. Ça marche pas bien, hein, bien. Oh là là. Ouh là là, je sais pas ce qu'il y a sur Google Maps, mais... Pou, pou, ça fait jamais ça, hein. Les serveurs, ils sont à la ramasse, je sais pas ce qu'il y a, mais... Je sais pas ce qu'il y a, mais ça marche pas du tout aujourd'hui. C'est 3000 nautiques, c'est tout ça? Je sais jamais. Ça fait 1,5. C'est ça? C'est pas ça que je voulais voir. Là, je suis à 3000. 3000, donc ici. C'est 3000, ça fait tout ça? 3000, je sais pas. 1,5, ça fait quoi? Commencer à l'apercevoir quand même. Ouais, ça réagit, mais jamais vu aussi mal réagir. Ça, c'est Dao, je sais pas ce que c'est. Je secrète compte Dao, d'accord. Ça, c'est un supermarché.
D'accord, ça c'est Baotang, musée d'histoire. Ah bah, c'est super. Ici on en est où? Ah, hop, qui j'y suis. Donc un 5, donc proc. On va activer l'approche. On attend un peu. 09, allez, si proc activa ta branche, il va bien vers CRS 412. On va essayer de descendre à 3000. Voilà, pour descendre à 3000, comment on va essayer de faire? Ça, on va couper l'alt. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, je sais pas, je sais pas. Je réaugmente mon propeller. Pas d'hélice ici, ça bouge pas. Ici je suis à 12, donc on va passer sur rear tank. Donc rear tank, j'ai fait ci, comment je peux faire pour que ça descende? Ça, je suis sûr que si je touche au trim, il va descendre. Ah non, il descend. Il s'est pas coupé. Alors ça, c'est pas mal, ça, par contre. Sent pas beaucoup, mais faut que j'aille à 3000, c'est ça, hein. J'ai pas beaucoup décéléré ce qu'il faut. Je suis pile à 3000 et après faut que j'aille en 1700. 1970. Va essayer de la ralentir parce qu'après je vais descendre, il va accélérer comme une bête. Pas trop parce qu'après on va mettre des flaps. Alors donc on commence à voir notre île préférée. Ouais, il va en 175, alors là, comprends pas. Hein. En 67. Non, il n'est pas. Je sais pas. C'est les mystères et boules de gomme, hein, que je sais jamais pourquoi ça fait ça. 400, CS 412. C'est celui-là. Il va bien au CS 412, lui. Oh, c'est ça, 167. Pas bien, il est pas bien réglé, hein. C'est bizarre. Hein. Ouais, mais si je mets approche, qu'est-ce qu'il va faire là? Je sais pas. Je ne connais pas suffisamment l'avion pour savoir ce qu'il.
qu'il va faire si j'appuie sur approche. Oui, aïe, 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 approche. Qu'est-ce qu'il fait là? J'espère qu'il va pas ici. On va voir. Ah non, il se restabilise. S'est remis droit. Et là, il me dit qu'il faut qu'il coupe ça. Admettons. Admettons, on va voir ce qu'il va faire. Alors, ça approche, ça approche. Donc, aïe, 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 là par contre, il fait des trucs, je sais pas ce qu'il fait. Ah si, ça va. Si, si, ça remet correctement. C'est 3000, je le laisse parce que je suis à moins de 3000. On m'a dit 2000, combien? Non, 1970. Alors que je me mette sur Alt parce que. Allez. Je fais approche. Passe en altitude, donc alors qu'est-ce qu'il y a à faire? Radio altimètre, altimètre radio, descente speed 100. Pas trop. Waouh, il n'y aura que les flammes. Non, pas 700. Flap. Check up. Next. Landing light, si on veut. Carburateur hit hot. Fuel selector, fuel tank. On va suivre. Ça me va. Non, il part complètement ailleurs. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il fait. Ce qu'il faut. S. On va garder celui-là. Non, mais je vois bien qu'il soit aligné parce que c'est pénible sinon. Donc, nav. Descend un peu. Donc là je suis full mixture, full propeller. Alors ça descend. Ça c'est bon. Ça faut aller à 3000. Mais après 411. À descendre.
On a dit 1970. Donc là, on a 2005, on va le laisser descendre encore. Fuel pump on. Fuel boost, c'est ça, fuel pump on, je sais pas. Airspeed max, finale descente. On va mettre après la finale descente, hein. On continue à descendre. Il me reste combien? 2005. Mais là, je suis pas encore arrivé à suivre. T'es 3000 donc. Sans flap, pas tout de suite parce que flap, 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 tension 1970. Ah, 1970. On va essayer de se mettre à 1970, pas plus que ça. J'ai mis mes landing lights, j'ai mis la pompe. Ici, il est à 8. On va attendre qu'il soit à 8 et on remettra sur le front. Hein, c'est le front qu'on a le plus. Descend vite là. Ça fait une jolie approche. Donc, si on le laisse descendre, il va arriver doucement à 2000. Ici, on va essayer de se le mettre correctement. Hop. Ça, il est bien réglé. On va commencer à sortir un peu. Train. Ouh là 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 là. Ah, il descend comme une bête. Ah là 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 là. Ah, il m'a descendu, j'ai mis à peine du flap, il est descendu à 80 à l'heure. Il a perdu 20 km. Aïe aïe aïe. Ah, puis il monte. Ah, aïe 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 aïe. Ah, il monte, oh non. Ah, j'aime pas les flaps. Descends, hein. Il n'y a plus moyen de le descendre maintenant. Et c'est toujours comme ça, là. C'est quand on arrive qu'il fait ça. Ah, il descend plus. Ah, j'arrive pas à le faire descendre. Impossible. Non, il veut ralentir et monter. Voilà, je pense que je vais pas mettre beaucoup de flap. Hein, parce que, pardon. Hein, ah non, il monte. Ah, c'est pas bien.
Ah, puis il monte au moment où il faut pas. Ça. Ah là 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 là. Mais c'est pas vrai, hein. C'est incontrôlable. Impossible de le descendre. Oh là 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 là, je suis complètement. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, on va tout faire à la main parce que c'est une horreur. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il veut monter? Ah, oh là 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 là. Comprends pas. Oh là là, vraiment pas facile. Hein. Je comprends pas pourquoi il monte comme ça. Voilà, je suis obligé de le pousser vers l'avant. Oh là 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 là, pas très bien, pas très bien. Descendre, bah pardon. Bon, ça va qu'on y voit, mais si on n'y voyait pas. Pilote automatique. Je suis encore à 2000 pieds. Non, il est au niveau de la mer. Tiens, j'ai pas chargé mon aéroport. Bon, j'ai pas envie de descendre à plus que ça. Je suis à 80. Pas grave, hein, mais bon, au mieux atterrir à la main, hein, je sais pas. Encore à 1000 pieds, mais bon, là, ça va commencer à aller mieux. C'est verdoyant. Ouais, mais j'ai pas envie qu'il tombe.
flap. Ah mais il est pas facile à atterrir, hein. Pardon. J'ai même pas de flap pour le take-off. Bon, bah, je sais pas. Non, si tu lâches le manche, il remonte. Et puis, il monte tout droit alors. Ah, il y a un peu des. Il y a un peu des avions. Comment on fait pour atterrir correctement avec ces avions? Ça fait pas des masses, hein, 60. Droit. Et je rebondis. Ça marche plus, c'est ça? Je sais pas ce qu'il fait là. Il tourne. Bon. Pas terrible, hein, mon histoire, pas terrible. Alors, on va aller là. Bon, mais c'est la première fois que je l'utilise. Alors, il me dit que l'apron, c'est là. Ben, je suis très content. Voit rien du tout, mais alors, rien de chez rien. On peut se mettre au bout du but pour voir quelque chose. Donc il est bien, mais bon, atterrissage. Là, je suis sur le à la pointe des pieds hein, pour y voir quelque chose. Hein. Bon, ben voilà notre. Évidemment, il y a un aérodrome où il n'y a aucun bâtiment, rien, tout est vide, d'accord. Comme d'habitude. Donc, ben tant pis, hein, on va se mettre quelque part, je sais pas où. Un Delta Airline. On va se mettre là-bas. Ou 3, on peut se mettre au 3. Au 3, c'est ici. On voit rien du tout. Je sais pas comment ils font avec ces avions pour voir quelque chose, mais on ne voit strictement rien, mais rien de chez rien. Oh là 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 là. On va s'arrêter là, hein, c'est nulle part, mais on va s'arrêter là. Hop. Bon, et ben voilà. Il est moyen, hein, mais il est joli. Donc, ça fait notre sixième étape, Vietnam. Hein? Sixième étape, Vietnam. On va couper le fioul et les nice et les batteries. Allez, on va ouvrir. La porte, je sais pas si on peut les ouvrir d'ici, mais si, donc tout le monde descend, il n'y a pas de porte côté passager, donc je sais pas comment ils font les gens pour descendre. Il faut que les pilotes descendent, c'est ça, hein.
Si, une porte côté passager. Ah ben voilà. Allez, à bientôt.